Bonjour plutôt. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo. Je vais vous parler sur l'article 13. C'est quoi? En fait, l'article 13, c'est un article par le Comité européen sur les droits d'auteur. Les droits d'auteur, c'est par exemple, moi j'en ai déjà reçu 3 ou 2. J'en ai déjà reçu des droits d'auteur parce que j'ai présenté le générique de Yo-Kai Watch. Et donc, c'est comme on présente un truc sans l'autorisation de l'auteur, par exemple. Voilà. Et aussi, l'article 13, ça peut détruire Internet. Déjà, normalement, peut-être elle a été votée parce que j'ai vu une vidéo. Parce que quelques jours avant que je tourne cette vidéo, c'est aujourd'hui, il y a une chaîne qui s'est fait supprimer. Et je pense que c'est à cause de l'article 13. Et l'article 13, ça peut toucher les pays de l'Union européenne et quelques pays autres comme la Norvège. Parce que la Norvège, ils ont l'euro, tout ça, et ça peut toucher aussi la Norvège. Déjà, en tout cas, avec l'article 13, ça va changer beaucoup de choses. Déjà, il y a déjà une pétition. Et j'espère que l'article 13 va être annulé parce qu'on n'a pas encore l'annonce officielle. Moi, j'attends l'annonce vraie officielle parce que voilà quoi. Et j'espère vraiment, vraiment qu'il n'y aura pas l'article 13 parce que peut-être je serai touchée par cet article 13. Comme des chaînes comme, je vais pas dire les noms, mais vous voyez de quoi je parle. Excusez-moi. Et donc voilà. Bon, le corps. Deuxième partie. Le corps de David Ibbotson n'a pas encore été retrouvé. Attendez. J'arrive. Bon, l'enterrement d'Emiliano Sala a eu lieu la semaine dernière, samedi, à Santa Fe, la ville natale de Emiliano Sala. Le corps du pilote David Ibbotson n'a pas encore été retrouvé. Bon, il y a aussi de l'antisémitisme en France. L'antisémitisme, c'est par exemple un juif, il se fait insulter, il se fait battre, il se fait maltraiter, voilà. Ou par exemple un musulman, pareil, voilà. Et il y a aussi les gilets jaunes qui crient tout le temps Macron démission le samedi. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâche un pouce bleu, lâche un commentaire. Au revoir tout le monde pour